Yo, salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. On est au skatepark de Crawl tout près de Grenoble. L'idée de cette vidéo, ça va être de changer des pièces de la trottinette, du mini BMX, les mettre peut-être sur le street trial, faire des mix. Avant de tout démonter, j'ai envie de vous montrer ce que je sais faire avec le street trial. Vous l'avez vu maintenant sur mes posts, je roule avec le street trial, c'est un peu un remix du trial et du BMX. Ça fait 2 mois vraiment que je suis à fond là-dedans, donc je commence à prendre quelques tricks, je vais vous montrer ça. Yes, I. Wow, ça va? Putain, en vrai, je me suis fait peur là. Bon, ça s'est terminé plus vite que prévu. Le front flip, je me suis peut-être un petit peu emballé. Mais marquez dans les commentaires si vous voulez que je revienne sur ce lieu et je le rentre. On mettra plus de tapis, on mettra plus de sécurité pour le lancer en sécurité. Et j'irai le retenter. Un maximum de pouces bleus, je le retente. Bon, du coup, on va tenter des modifs là-dessus. Ce que j'ai envie de faire, je vais essayer genre guidon de trotte sur le mini BMX. Je vais enlever la potence de celui-là. Hop là! On verra ce qu'on en fait de ce guidon tout à l'heure. Peut-être qu'on va faire un troc là pour commencer. Ça part. Pec! Essaye un truc. Bienvenue sur Monster Garage. Vas-y, est-ce que ça rentre? Ouais, c'est un peu just, hein. Je sais pas si ça va rentrer. Ouais, il y a moyen, je dis. Vas-y, il y a moyen. Bon, en vrai, je vais perdre le guidon là, c'est pas possible. Mais non, tu y serres dessus après. Mais je peux pas le faire ici? Si, mais tu sers le collet de serrage. Ça tient comme ça, sur quoi? Bon, il y aura peut-être un peu de jeu, pas très bien fixé, mais ça devrait le faire. Donc, je resserre le jeu de direction là et c'est bon. Et mettre le guidon droit aussi tant qu'à faire. Là je vais bien y serrer. Je sais pas pourquoi, je sens à tout moment ça va partir le guidon. Je vais le perdre en route. Ça sent mal cette histoire. Après le front flip raté, on va avoir la trottinette ratée. En vrai ça marche hein. Allez, ça tient. Champion. Champion. Je l'ai dans le ventre le guidon genre. Oh. Ça tient. Attends, je tente 2-3 trucs pour le guidon là, pour qu'il tombe pas. Après on s'envoie dans le skatepark. Je sens que c'est mieux en plus. Vas-y tranquille pour tester le machin, je fais juste le plan incliné là-bas là. Oh, plus dur là. Genre rouler sur la bordure et remonter là-bas. Oh la galère. Non. Putain c'est galère. En vrai il y a un petit décalage là, c'est chaud là. Ah non. Attends, je le fais de l'autre côté. Là, au moins, je suis de face. Allez, le challenge, le premier challenge du jour. Ah ! Nope ! Ce qui est trop chaud avec ce vélo, en fait, c'est que déjà, t'as les pieds qui sont à ras le sol. Et en plus, j'ai le guidon. Genre, je peux pas bouger. Il est dans mon ventre, j'arrive pas à bouger le truc. Wouh ! Oh, oh ! Oh, la montée ! Oh. Allez, c'est bon, celui-là, il est validé. On va voir le franchissement un peu, tiens. Petite marche là-bas. Nope ! Yes. C'est tellement chaud. On constate légèrement du jeu maintenant. C'est pas grave, le guidon il tient toujours. Oh. Plus dur. Sauter celui-là. Oh, je vais mourir, je vais mourir. T'as quoi comme autre défi? Les marches là-bas, non? Les marches. Tu fais les deux, tranquille. Vas-y, j'essaye. Les descendre, hein, pas les monter. Les deux. Ah ouais. Vas-y, pour commencer, on fait celle-là, ouais. Oh, oui. Là t'as triché là, moi je vais en sautant. Ah, en sautant? Ouais. T'es malade toi. Vas-y, mais je vais mourir hein. Go go. Champion. Oh, si tu vois ma tête en l'air, je devais être. Oh. T'es monté maintenant? Celle-là, vas-y. Vas-y. Je pense pas y arriver, je suis trop bas là. Mode trial, tu dois monter trial. Les deux là. J'ai pas de frein, oublie pas. J'ai pas de frein là-dessus. Oh. Je suis une figure de baisse. C'est un peu la merde. J'ai fait ça. Hop. Ouais, là comme ça c'est faisable. À part que j'ai pas de frein.
Oui. Ok, 2. Ok. 3, 4, 5. Allez. Nope. T'as un deuxième essai. Ok, sympa. Let's go. 1, 2, 3, 4. Ok, j'ai la technique. 4, voilà. Yeah. Là, je te les descends. Là? Là, tu es tué là? Ouais, y'a moyen, ouais. Oh putain, oh putain. Je fais que tomber aujourd'hui. Allez, on va trouver un nouveau mix. Un petit slide d'abord. J'aimerais bien. Genre, slider là, comme ça là. Tu vois la petite barre là? Ouais, slider. Ouais, t'as tout compris. Dans l'autre sens déjà, tranquille. Allez, y'a rien là. Ouais, y'a rien, mais avec ce vélo là. Proportionnellement au vélo. En fait, faudrait que je saute pédale. Ouais, je vais faire comme ça, pédale et pédale. Voilà, ça c'est validé, rien, je te fais le suivant même. J'ai compris. Allez, allez, allez. C'est l'idée, non? Pas mal, hein. Ouais. Oh, c'est pas pire, hein. Ce que je vais essayer, c'est de mettre le guidon de BMX sur la trotte. Ça, je sais que Scoot de Street avait déjà essayé, j'ai envie de voir ce que ça donne. On va le faire rapido parce qu'il a déjà fait. Et après, j'essaierai avec le Street Trial de faire quelques modifs. Vas-y, let's go. Je vais mettre la petite bague ici. Et le sirop, il est pour quoi, là? Team Mentalo. Est-ce qu'il y a des gars Team Mentalo aussi, là? Mentalo ou fraise, toi? Mentalo. Mentalo, hein. Ah, je vais le mettre au plus haut, regarde comme ça. Je vais le mettre là, où je le serre bien, les BTR. Après, serre-y bien. Ouais, faut serrer à bloc là. Déjà que la trottinette était trop petite. Ouais, moi, je te lance un défi, tu dois faire un tel whip. Ouais, d'accord. Mais avec déjà, ça. J'y arrive pas normalement. Et je vais faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Et en vrai, c'est ça a de la gueule. Hein. Je crois que ça tient. Tu verrais pas faire ça, genre sur un VTT de descente? Non. Genre, s'il y a un maximum de pouces bleus, viens, on fait une modif sur le vélo de descente et on fait une piste noire avec des modifs comme ça. Genre, on fait la piste noire. On fout un guidon de trottinette sur l'enduro. Vas-y. Et on essaye. Là, la communauté, il va falloir être fort. Hein. Maximum de pouces bleus et de commentaires. Combien de pouces bleus? Combien t'en veux? On va être sympa parce que j'ai envie de le faire. Genre un truc genre 30 000, 40 000, allez. 40 000. Parce que là, je prends un peu des risques. En vrai, 40 000. S'il y a une couche dans une piste de descente, 40 000 pouces bleus, je fais une modif sur mon VTT de descente et je pars avec une modif là-dedans. Avec ce guidon là, tu dis? Non, genre le guidon de la trotte. Bah, marquez dans les commentaires. Avec ce guidon, celui de la trotte, un autre, une modif que vous avez en tête. Ça serait énorme. Ça a l'air de tenir. Voilà, impeccable. Ça dit quoi? Pas mal en vrai. Un peu en avant par contre. Oui. On se croirait genre sur un truc de aérodynamique, c'est genre pour avoir un maximum de speed. Et tu veux que je fasse quoi avec? Déjà un petit saut. Eh, c'est pas pire hein. Là, saut du quarter là. Tu vois, on va au skatepark? Vas-y. Non, je veux que tu montes, tu fasses le tour et que tu sautes là-bas là. Je vais essayer de monter, tranquille. Okay. Hop, hop. Ok. Ça c'est validé. Non. Non? Pourquoi? Bah t'as mis le pied là. Sortie 3-6 du plan incliné là-bas. Je te suis. Oh. Vas-y, plus chaud, j'essaie de monter là. Et surtout, c'est la descente. Plan incliné, la descente et sauter. Ah ouais. Hop. Oh. Déjà celui-là. Oh l'artiste. C'est chaud, j'essaye dans le bol là. Ouais, déjà celle-là. Déjà ah. Celle-là, ouais. Celle-là elle est déjà pas mal. Ah parce que celle-là elle est un peu raide quoi. Et... ça marche bien, non? Vas-y, ça se fait. Oh, c'est chaud. Oh, la remontée. Pour la trottinette, je pense qu'on l'a rincé, non? Tu vois deux trucs ou pas? Bon, bof, hein. En fait, t'es vite limité, quoi. Ça, le truc. Mais ouais. Mais maintenant, j'ai envie de faire un truc avec mon street trial. Je sais pas si c'est possible. J'ai envie d'inverser le cadre. Genre la fourche elle serait là et le guidon il serait là et moi je conduis à l'envers. Mmh. On va voir là-bas. Tu penses que c'est possible ou pas? On va essayer. Il va falloir bricoler. Bon là du coup tu fais quoi? En fait j'aimerais mettre ma fourche ici et ma potence ici et le mettre à l'envers le vélo. Seulement j'ai ma durite qui passe à l'intérieur donc je suis un peu embêté là. Du coup faut que je déconnecte mon frein, essentiellement de l'huile qui va couler partout et après normalement ça serait jouable. Faire attention que ça coule pas sur les plaquettes. Ah ouais. La durite, là, ouais je m'en mets plein les mains. Ça va. Là, je le mets à l'envers. De quoi le vélo? Je suis en train de pourrir. Je vois du métier. Je mets ça là, c'est bon. En vrai, je pense qu'on va y arriver. T'imagines le truc? T'imagines le truc? Ouais, ça en devient un trial. Ouais, en vrai. Voilà. Oh oui. Et en plus, je garde les freins, donc ça, c'est bon. Pour pédaler, du coup, ça sera à l'envers, non? Ah oui, bah oui. Normalement, j'appuie. Eh oui. Oh putain, ça va être horrible. Ah ouais. Aurélien Fontenoy révolutionne le vélo. C'est ça, voilà. Là, je serre la potence. En même temps, je fais un petit tuto mécanique pour serrer votre potence. Donc là, il faut serrer
ici et ensuite mettre la potence droite et ensuite serrer votre potence. Ça on sert pour paquet de jeu. Voilà. Mamma mia, c'est horrible. Regardez la position que je vais avoir déjà quand je vais être sur le vélo. Ah ouais, par contre je pourrais aller que en marche arrière. Ah, ça. Et je peux pas aller en avant en fait, faut que je pédale. Faut que ça fasse une roue libre. Mais regarde la position. Ah ouais. Un cafard. Hey, Willy. Willy. Ouais. Ouais. Allez. Allez, tu dois tourner sur la roue arrière. Non. Oh putain. Ah oui. Attends. Ouais, ok. Ok. Complexe. Oh, c'est trop chelou. Je crois que j'arrive à faire le tour là déjà. Petit tour. Je peux pas faire de figure avec, c'est pas possible. Ah. Oh putain. Et voilà. Par contre là, je peux pas pédaler là, ça fait rien. Et là, tu simules là. Tu pédales dans le vide. Hey, je peux pas. Regarde, attends, j'arrête. Genre, c'est comme un. Oh putain, je vais en arrière en fait. Ok. Je vais essayer d'aller en marche arrière. Allez, allez. Ouais. Moi, je te lance un défi, moi. Vas-y. Tu vois la petite borne là. Ok. Tu dois aller jusqu'au trait là, à peu près. Allez, go. Ouais. Je repars dans le sens. Ah, voilà, j'ai compris. Ok, c'est bon. Ah, j'avais le truc. Attends, j'ai le truc. Je vais pouvoir faire les bosses. Vas-y. Là, je m'habitue 5 minutes. Le gros défi, c'est de faire ces bosses là. Vas-y, ça marche. Voilà, faut un peu d'entraînement. T'as 5 minutes d'échauffement. 5 minutes. Je vais déjà prendre un petit peu de vitesse et le faire à l'endroit. Tu veux que je te pousse? Vas-y. Voilà, c'est bon, je l'ai. Ça va passer. Ah, allez. Il est chaud. Roi rire. Ok, le trialiste. Oh, c'est trop chelou. Je pars en arrière. Et on va voir si j'y arrive à l'envers, vraiment à l'envers. Mmh, je pense que ça passe. Hein. Moi j'ai des doutes. Ok. Ouais, pas mal. Oh, y a de l'idée. Pas mal, vas-y. Y a de l'idée. On a pas un, de la technique. Un. Ouais. Ouais. Attends, je repars là. Ah bah non. Ah bon, merde. Ça a l'air complexe. Trop dur, faut que je m'entraîne. Oh là oui, il y a pas de sel, c'est vrai. J'abandonne, celui-là il est trop dur. On va aller au skatepark, on va tenter 2-3 trucs là. On va voir si on peut descendre l'escalier et sauter, je suis pas sûr mais on va voir. Les escaliers, bof hein. Bof hein, je sais pas si c'est fait pour hein. Rouler là, je vais te faire une technique, tu verras, jamais vu au monde. Je roule jusque là-bas, j'arrive jusqu'aux escaliers. Regarde ça. Ok. Un. Oula. On arrive. Oula là. On y arrive. Oh, il y avait quelque chose là. Je crois que je peux monter. Oh, il y avait de ça en vrai. Ce qui est chaud, c'est qu'il faut jamais s'arrêter de pédaler, sinon tu repars en arrière. Oh oui. Et voilà. Oh, l'artiste. C'est bon. Tout à l'heure, t'étais en arrière, ça passe ou quoi? Tu veux que je descende un truc? Ouais, en descendant. Genre celui-là. Allez, c'est parti. Allez. Et. Oh. Oh. C'est, bon, c'est validé. Validé quand même. C'est validé là. La petite mentalo. Bon, c'est à vous de me dire dans les commentaires, vous avez préféré lequel? Est-ce que vous avez préféré le trial inversé, la trottinette avec le guidon de BMX ou le mini BMX avec le guidon de trottinette? Lequel vous aurez aimé essayer dans cette vidéo? Comme d'hab, pensez au pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao les gars. Wouhou.